Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se faire un rangement pour mes bois-boîtes de quincaillerie qui vont aller sur le French Clit. Et pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des planches de pain un petit peu cradoc mais pas chères que j'ai achetées dans mon magasin de bricolage le plus proche. Première découpe avec ma scie circulaire sur table, une découpe un petit peu funky puisque c'est une découpe pas droite mais en biais. J'ai réussi à faire ça tant bien que mal. Dans les futures semaines, je vais essayer de trouver une solution pour arriver à résoudre ce problème de faire des découpes en biais correctes. Bien sûr, la découpe n'était pas super précise, donc j'ai rattrapé ça en collant les deux morceaux et en éliminant une partie du bois superflu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre ma plus grande planche et la découper à la largeur voulue, qui est un tout petit peu plus que la largeur de mes bois-boîtes. Et ensuite, je prends ma longueur, je la divise par 7, ce qui me donne à peu près 17 cm de large, que je vais découper grâce à ma scie circulaire sur table et à son super chariot. Maintenant, on va pouvoir passer, entre guillemets, au design, si on peut dire. Et là, première erreur fatale. J'utilise des bouts de carton pour mettre des cales, pour donner un peu de marge entre les différents étages, et en fait on voit que là je place au milieu de ma bois-boîte, et je n'ai pas pris en compte qu'en fait les bois-boîtes elles ont des petits pieds sur l'arrière. Donc design fatal, que je pourrais rattraper après. Je marque donc les endroits où j'ai envie de percer et de mettre des petites vis, puisque ça va être mon système d'assemblage des vis sur chaque étage. Donc je prends ma perceuse, je suis les marques, je perce, et ensuite je vais chanfreiner tous les éléments pour pouvoir mettre des vis. Et c'est ce que je fais, je pré-mets toutes les vis pour pouvoir accélérer un tout petit peu le montage. C'est des vis Torx du T20, et on va pouvoir commencer. Je commence avec bien sûr le rez-de-chaussée, et je vais mettre les étages au fur et à mesure. Je mets donc ma bois-boîte, toujours le petit bout de carton, et au bout du troisième étage, je m'aperçois qu'en fait, il est très difficile de mettre ou d'enlever la boîte, même en enlevant le carton. Pourquoi? À cause de ces fameux petits pieds en plastoc. J'aurais pu, et à mon avis, ça aurait été une solution beaucoup plus simple, aller limer tous ces pieds, qui ne servent absolument à rien, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Et j'ai préféré modifier, en fait, mon meuble au fur et à mesure pour faire en sorte que mes boîtes à quincaillerie se mettent sans aucun problème. Souvent quand on réalise des choses, on est un peu trop dans le feu de l'action et on ne prend pas spécialement les bonnes décisions, mais là ça n'a pas de conséquences dramatiques puisque le système marche quand même. Il y a juste le dernier étage qui n'a pas de planche par-dessus. Je mets en place mon système pour le mettre sur le French Clit et il va falloir lui faire un tout petit peu de place. J'enlève quelques éléments, je le place et je vais pouvoir mettre mes bois-boîtes à quincaillerie. Et là j'en ai 6. Et on voit que bah, il faut forcer un tout petit peu, mais ça rentre sans aucun problème. Et voilà, plein de quincailleries qui sont maintenant mis sur mon French Clit. C'est super coolos. Merci et à bientôt.